Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince, c'est un conte écrit et dessiné par l'aviateur d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est l'histoire d'amitié entre l'aviateur et un enfant venu d'une autre planète. J'ai dans le cœur le doux parfum. La dédicace de l'auteur. Le narrateur demande pardon aux enfants d'avoir osé dédier ce livre à une grande personne. Il a une sérieuse excuse. Cette grande personne est son meilleur ami. Si cette excuse ne suffit pas, il veut bien dédier ce livre à l'enfant qui son ami était. De la rose que tu y as fait naître un matin sur le chemin. Le narrateur de conte est un aviateur qui tombe en panne en plein désert de Zara. Alors, il tente de réparer son avion. Un petit garçon à chevelure dorée apparaît et lui demande de dessiner un mouton. S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. J'ai rencontré un renard qui... Jour après jour, le narrateur découvrait l'histoire du petit prince. Il lui racontait qu'il venait d'une autre planète. Une planète plus, très petite, aperçue plus grande qu'une maison. Où il laissait derrière trois volcans et une rose, une fleur unique, dont il était amoureux. Il m'a confié un doux secret et j'ai enfin... Le petit prince lui rencontre aussi qu'il a visité d'autres planètes avant d'arriver sur Terre. D'une planète à l'autre, a rencontré de grandes personnes, vraiment très bizarres. Compris que tu m'aimais, j'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu lui as fait naître. On voit qu'il peut en carnet surtout avec les pouvoirs absolus, mais qui donne toujours ordre raisonnable pour pouvoir toujours se faire obéir. Il s'est laissé mon dessin. Et dans le ciel immense des millions d'étoiles, on voit deux qui se voient comme l'un, mais plus important et qui a besoin d'être admiré, applaudi et complimenté. Constellation florale, je sais que... Un homme d'affaires propriétaire des étoiles, qui passe son temps à les compter. Elle se définit comme sérieux et riche. De réverbère qui effectuait un travail répétitif et permanent, car il devait suivre la consigne. Un vieux monsieur de Graffe qui écrit dans des livres énormes les informations portées à lui par les explorateurs, c'est d'ailleurs sur le conseil de ce vieux géographe que le petit prince s'en va explorer la terre. Sur la terre, le petit prince rencontre d'abord un serpent qui lui promet qu'un jour, s'il le souhaite, il aidera à retourner sur la planète. Tu as la clé de mon jardin. Il rencontre aussi un renard qui lui demande de l'apprivoiser et lui apprend l'amitié. Il réalise grâce à lui que c'est le temps partagé avec un être qui le rend unique.
C'est pourquoi sa rose est unique pour lui et son ami le renard aussi. Ton sourire est dans chacun de mes dessins. J'ai dans le cœur le doux parfum. Chaque jour, l'aviateur apprend des nouvelles choses sur le petit prince. Sur ses sentiments, ses peurs, ses doutes, son départ, son voyage et sur sa planète. Mais surtout en apprenant à se connaître, tous deux tissant des liens très forts, une véritable amitié. De la rose que tu as fait naître un matin. Et dans... Un jour après l'atterrissement, forcé dans le désert, l'heure de la séparation des deux amis est venue. Afin de retourner sur la planète, le petit prince a recours au serpent et sa dangereuse morsure. Mon destin. Le petit prince repart vers sa planète et l'aviateur ayant réussi à réparer son avion quitte lui aussi le désert. Depuis, il espère de tout son corps revoir un jour le petit prince. En attendant ce jour, il rit ou pleure avec les étoiles, car on ne voit bien qu'avec le corps. L'essentiel est invisible aux yeux. Je sais que ta rose m'a...